Yo tout le monde, c'est Killer, j'espère que vous allez bien et moi ça va super bien. D'ailleurs, faudra peut-être que je change cette intro. Bref. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve sur Suicide Guy, un petit jeu indépendant bien cool où le but du jeu, vous l'avez compris, c'est de se suicider tout simplement. Alors, je n'ai pas encore testé le jeu. Je l'ai eu tout récemment, je l'ai pas testé, donc on va regarder. D'ailleurs, je vois que là, sur la petite table, il y a des donuts roses. Alors, on s'en fiche, mais ce sont mes donuts préférés. Donc, du coup, start, on va commencer, on va regarder ensemble comment est-ce qu'on va essayer de se suicider tout simplement. Ah, on a une petite histoire au début. Cool. Alors. Michel s'endort. Dans la pénombre. En plus, c'est bien parce qu'on est sur Halloween. On est sur les périodes d'Halloween. Attendez, je passe le jeu. Voilà. On est sur les périodes d'Halloween. Donc, du coup, c'est assez cool. Alors. Là, il faut que je trouve un moyen de me suicider, je pense. Alors, on va regarder. Hein. Ok. C'est un peu bizarre. Ok, donc là, je peux sauter. Bah. Wouh! Ouais, j'avoue. Ah, bah alors, écoutez, je pense qu'on a trouvé un. Non, on coupe les droits d'auteur, les droits d'auteur. Faut couper. Donc du coup, bon bah là, écoutez, je pense qu'on a trouvé la bonne méthode hein, pour sauter. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Attention, on y va, on saute. Ah, la gerbe. Faut pas. Oh, ça m'a bien réveillé, dis donc. Hein. Ah bah oui, je sais bien, Michel. Qu'est-ce qui se passe? Du coup, il a tellement trouvé ça cool, Michel, qu'il va essayer de se suicider pour de vrai. Non, c'est pas mal des jeux comme ça sur la période d'Halloween. D'ailleurs, le mec se la raconte un petit peu, puisque j'ai l'impression que soit c'est son grand-père, son père, ils se ressemblent tous dans cette famille à droite, ou sinon c'est que lui. C'est pas sur quoi on est. Et il se rendort encore. Et il va nous faire le coup à chaque fois parce qu'on n'a pas fini. Ah, ça y est. L'alcool va tomber sur la radio. Et là. Et là, c'est le drame. Allez, je veux voir. Ah. Qu'est-ce qui se passe? On va regarder. Ah oui? Oh merde, dis donc! Oh! Eh, c'est quand même pas de peau, hein! C'est quoi ça? Ah, pour entrer dans. Ah, d'accord, cool! Oh la musique! Allez! On est sur mon grand canasson! Non, non, on va couper parce que les droits d'auteur, on connaît. Hein. On aime bien les chansons comme ça, mais au bout d'un moment. Donc on est dans un train, ok. Bon, alors. Regardons un petit peu ce qu'on a autour. Pas grand... Ah, to activate object, ok. Ah. Non. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah. Voilà. Faut que je trouve un moyen de me suicider, je suppose. Hein. On est bien d'accord. Alors, est-ce que je peux sauter? Non. J'ai pas l'air de pouvoir sauter. Ok, donc je viens de sauter du train. Et je suppose que là, il va falloir en gros que je me fasse écraser. C'était ça? Je crois que c'était ça la solution. Il fallait juste que je saute du train et que je me fasse écraser. J'ai réussi. En fait, t'as plusieurs. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? On va regarder ensemble. Hein. En fait, il faut juste trouver des moyens de te suicider. C'est le coup qu'ils mettent des petites musiques comme ça, mais bon, après. Mange des droits d'auteur, donc bon. Alors. Ah, ok. Oh, cool, 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 cool. Écoutez, je pense que ça va être par ici que ça va se faire. Alors. Hop! Oh, ça va être fun! Attendez. Alors. Ok. Est-ce que je peux repiquer la caisse? Arrête la petite musique. J'ai pas besoin de ça, moi. Oh! Cool. Là. J'ai fait ça dans Hello Nightboard. Hein. Je connais un petit peu comment ça se déroule, ce genre de choses. Alors. Ok. Voilà. Alors. Ah. On a une autre petite statue ici. Qu'est-ce que c'est que ça?
On va essayer de la mettre là-dessus pour voir. Rien ne se passe. Bon. Donc en gros, il va falloir que j'attende cet item juste ici. Et que de tout mon poids, je le lance, les amis. Ah, mais ça va être compliqué. Ah oui. Faut que je mette au bord, hein. Ok, on n'est pas du tout sur le bon truc, hein, mais bon. C'est pas grave. On va lancer un peu plus haut. Voilà. Oh! Au moins c'est rapide. Rapide, précis, t'as pas le temps de sentir la douleur. Un doliprane et c'est reparti. Bon, alors là... Mais écoutez, là, pour le moment, on est bien, hein. Là, on a réussi. Ça, on a réussi. Alors... Ah, attendez. Deux. Faut trouver le 3. Le 3, ici. Juste là, le 3. Avec un vaisseau spatial. D'ailleurs, est-ce que vous avez vu les copains? Enfin, peut-être que vous n'êtes pas fan. Mais il y a X-Files qui va reprendre l'année prochaine. En 2018, il y a le trailer qui est sorti. Et je suis trop fan. Ma mère regarde beaucoup. Enfin, regardez beaucoup la série X-Files. Et du coup, bah, je suis fan de X-Files. Alors, j'étais hystérique quand j'ai vu ça. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Oula, oula. Ok. Ok. Et là? Ah, ok. Et si j'appuie sur ce bouton? Alors, on va essayer de se concentrer sur ce que nous devons faire. Mon capitaine. Ah. Ah. Il faut pas que j'oublie les petites statues à chaque fois. Alors. Concentrons-nous. Concentrons-nous, mon capitaine. Donc du coup, mon capitaine, nous attendons. Mon capitaine, nous sommes en manque d'oxygène. Il faut trouver une solution. Au plus vite. Donc il va falloir déjà... Ah. Ah mais attends, il y a l'air d'avoir du... Ah non, c'est bon. J'étais trop à fond dans le jeu, moi. J'étais là, il y a du gaz et tout, faut faire quelque chose. Non, pas du tout. Oh là. Oup. Bon, on va faire carrément du saut comme ça. Ah, ça marche? Penses-tu? Oh là. Alors. Comment allons-nous faire? Moi, j'ai envie d'appuyer sur ce gros bouton rouge dans un premier temps. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas. Mais j'ai envie d'appuyer. Ça, en tout cas, c'est... C'est sûr et certain. Alors, hop, on avance par ici. On pose. On clique. Je sais pas, j'ai envie de cliquer. Qu'est-ce qui se passe? Ça alimente quelque chose. Hop. Alors, je suppose qu'en bas, il y a plein d'électricité. Ah non, même pas. J'allais dire, je suppose qu'en bas, il y a plein d'électricité. Penses-tu? Il n'y a rien du tout. Alors, on va aller voir. Non mais c'est quand même what the fuck ce jeu. Qui a pour idée dans ce jeu de se dire tiens franchement j'en ai marre, je vais essayer d'aller me suicider à l'infini, tiens. Ah ça y est, du coup là ça a l'air d'être relié. Enfin là c'est alimenté. Mais du coup... Attendez parce que là je tourne. Ah! Là! J'ai l'impression qu'il faut qu'on se dirige vers ça. Et qu'on appuie sur le bouton pour se... Attention, attention. Bim! Faut qu'on fonce. Non merde, j'ai appuyé trop tôt. J'ai appuyé trop tôt. Attendez, Michel. Ah. Attendez. Non. Vite. Là. Ouais, faut foncer dedans. Voilà. La température augmente. Bon, bon dédé. Joyeux Noël. Happy Halloween. On a réussi. On a réussi, les amis. Yeah. Donc là, on a un. 2 et 3 et le 4. Cool. Alors, le 4, c'est quoi? Petit personnage, je sais pas. Je ne sais pas l'idée que les gens ont eue de créer ce jeu. Ils ont une idée assez particulière quand même hein, de créer ce jeu, mais bon, que voulez-vous? Alors, oula, ça devient un peu plus, de plus en plus complexe, j'ai bien l'impression. Alors, en face, on a une statue. D'accord. On va aller voir ce qu'il y a là. On a un bouton, un coffre. Bon, le coffre, je pense que on peut le prendre et le pousser. Attendez. Et le pousser sur le bouton. Alors attendez, on va le pousser ensemble. Ah. Ah, la radio, elle va bien me servir celle-là depuis le temps qu'elle m'emmerde. Attendez, on appuie. Tais-toi, Michel. Voilà. Ah. Bon.
Ah, je pense qu'il faut que les deux boutons soient maintenus pour qu'une interaction se fasse. D'accord. D'accord, donc je pense que notre mort, ça va être quand on va vouloir aller voler la statue. Regardez là-bas les pics. On va se faire embrocher. Embrocher, Michel. Ça va être rapide. Ah mais non, je suis bête. Regardez. Oh là là. Et Kiki, des fois, tu réfléchis pas, franchement. Hein. Voilà. Ah, bah voilà. Hop. C'est hyper rapide. C'est hyper simple, en fait. Des fois, on se dit, c'est des trucs hyper cons, penses-tu? Penses-tu, Michel? Alors, on va en mettre un là, admettons. Hop. Voilà. Ensuite. C'est sympa, ces petites radios qu'ils mettent à chaque fois. Ensuite, hop là. Là. Non! Jamais été doué pour l'escalade, de toute façon. Hop. Oh, la clé! The keys here! La clé, elle est là. Je la vois. Alors, attendez. Ouais, ils ont un peu chié dans la colle avec les musiques, les mecs, hein, quand même. Hein. Ça crie un petit peu trop fort, hein. Hop. Ok. Là, on est bien. Ok, on est bien. Ça, ça va nous servir. Est-ce que vous êtes prêts? Ce qui est bien, c'est que ça crache des balles. Yeah! On l'a. C'est le moment. Voilà. Oh, cool. Moi je le veux. Moi je le veux, Indiana Jones. Ah. Yeah. On va le mettre ici. Il est cool. Je pensais que c'était une petite statue qu'il y avait dedans. Pas du tout. Voilà. Et là on se met ici. Je vais remettre ça là-dedans, dans le doute. On va prendre le coffre. Et on va l'emmener avec nous. J'ai des bonnes idées parfois. Regardez-moi ça. Attention, le tir, le tir. Oh, c'est magnifique. Oh, une autre clé. Pour ouvrir la toute petite porte. Ah, on retourne encore sur une situation... De type, on va lancer. Pas du tout, en fait. Voilà. Donc, du coup, hop, un petit saut. Deux petits sauts. Ouh ! Oh là, j'ai paniqué. Oh la vache, la crise de panique. Attention, troisième petit saut. Pas facile. Yeah, on est bon les amis. Qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que nous sommes à un moment critique. Ah oui, ok. Bon, il va falloir aller chercher. Mec, il a une force. Alors, est-ce que c'est un rêve qu'il fait? J'aime pas. Voilà. Hop là. Ok. Je déteste les jeux de plateforme. Vous avez dit que j'avais été voir ça au cinéma. Soit Hit avec Pennywise, c'est le clown. Et du coup, vous avez été nombreux à avoir été le... Je ne sais plus parler la France. Je ne sais plus parler la France tout court. Non, vous avez été très nombreux à regarder le film justement et à me dire qu'il faisait peur et tout. Je vous avais donné mon propre avis sur une des vidéos que j'avais faites. Je sais plus c'était laquelle d'ailleurs. Et en fait, il y a une scène. J'ai vu ça, ça m'a un petit peu choqué. Il y a une scène. Alors, je sais pas si vous êtes au courant, qui a été coupée en fait au cinéma et même sur le DVD, qui n'apparaîtra pas puisque elle était trop choquante et elle ne pouvait être diffusée justement sur plein écran. Et en fait, la scène là, elle a été divulguée il y a très peu de jours. Ah, attends, on va pas tarder à se faire tuer. Donc on va s'arrêter ici 2 secondes et je vais vous expliquer en fait. En fait, l'un des acteurs en fait qui devait incarner Pennywise et qui finalement ne l'a pas été a vu la scène en question et en fait cette scène apparemment en fait elle décrit du coup le personnage de Pennywise au 17e siècle. Du coup, ça serait les origines au 17e siècle quand il n'est pas encore transformé en tant que clown
tel on peut le connaître en fait dans le film en mode un peu dégueulasse. Mais en fait, il serait un clown totalement humain en fait, puisqu'il était dans un cirque et ce serait un clown. Et du coup, il va dans une pièce en fait en demandant le bébé d'une femme pour pouvoir le manger. Et cette femme ne veut pas donner son bébé, elle en pleure, et elle s'apprête à souffrir à lui en lui demandant du coup de laisser son bébé tranquille. Il accepte, et en fait pendant que la femme quitte la pièce, en fait il prend le bébé et il le dévore. Et du coup cette scène n'a pas été retenue parce qu'apparemment même l'acteur aurait été choqué, parce que du coup il incarne pas le clown en fait en tant que monstre, et là il l'incarne juste en tant qu'humain d'un clown de cirque. Donc là c'est vraiment du cannibalisme. Donc je pense que la scène était assez horrible, puisque je pense qu'on devait entendre le bébé pleurer, puis lui devait lui arracher les membres et tout. Cette scène devait être juste affreuse, je pense, et c'était le commencement en fait. Et elle n'a pas été retenue. J'aurais aimé voir la scène, ou peut-être qu'elle va être montrée sur les, vous savez, les scènes coupées dans les DVD, mais je pense pas. Je l'attrape, je l'ai. Qu'est-ce qui se passe? Non, non, je ne comprends pas. Je m'en fous, j'aurai mon trésor. Non, à l'aide, je ne comprends pas. Eh, on se débrouille pas mal les amis, j'ai envie de vous dire, on avance bien. On est un grand monsieur. Et ça a l'air d'être de l'électricité. Donc j'ai l'impression qu'il faut réveiller ce grand monsieur. Alors on va le réveiller tout simplement. Hop, on va aller le voir, on va lui faire... Eh oh, faut pas déconner quand même, hein. Allez. Donc je pense que... C'est bien fait quand même ce petit jeu, hein. Où est-ce que je suis? Là, ok, là je redescends en fait. Donc alors attendez. Donc là on a un bouton. C'est quoi ce bruit? L'électricité! On redescend les amis, vite! Ça va péter! Je sais pas ce que c'est, mais... Qu'est-ce qui se passe? Ok. Là, bim! Frankenstein! On y va! Il faut alimenter l'autre côté! On n'a plus le temps, les copains! Vite, alimentons! Non! Je veux alimenter! Laissez-moi alimenter tranquille! Ah du coup par où c'est parti, ne vous inquiétez pas les copains, ça va reprendre. Ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'attends le patch FR, ou sinon je le ferai en VO, on verra bien. Allez, et bim. Et là, faut que je me fasse écraser par lui, je pense. C'est tout. Oh là là, c'est tout. C'est genre, hé hey, Michel, boum. Bon les amis, du coup on va s'arrêter là pour cette vidéo, je ne peux plus, ça fait nombre et nombre de reprises que je tente de sauver les meubles, on n'y arrive pas, et quand il y a un mal de tête qui commence à s'installer, tu sais qu'il est temps là que tu t'arrêtes pour respirer un coup, et pourquoi pas par la suite refaire une autre vidéo, mais là tu sais que sur le moment, il est temps de s'arrêter parce qu'il va se passer un truc Michel, et faut pas que tout le monde regarde ça. Donc du coup, en attendant les gars, j'espère vraiment que Suicide Guys vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça a été le cas, ça m'aide à savoir si vous ou non vous voulez une partie 2. En attendant, je vous fais de gros bisous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Snapchat, de toute façon tout est listé dans la barre d'infos. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.